Salut, je m'appelle Amina Diouf, je suis mannequin d'origine sénégalaise. Je suis dans une agence qu'on appelle ULA depuis 4 ans. Bon, étant toute petite, le milieu mannequinat a toujours été une passion pour moi. Tout a commencé par une visite que j'avais faite à l'agence ULA avec une copine. Et quand j'ai parlé avec tante Ella, on a finalisé le fait que j'entre dans le milieu mannequinat. C'était pas beaucoup, peut-être juste le stress que j'avais, le fait que j'étais un peu timide. Le premier défilé, c'était un événement qu'on appelait les Grandes Dames Events, à la place du Souvenir. C'était mon premier défilé. Et j'avais senti quelque chose, voilà quoi, qui était inexplicable, je peux dire. Ça fait quelques semaines, c'était avec Sofato. C'était un événement qui m'a aidé à côtoyer un univers que je ne connaissais pas peut-être. Bah, beaucoup de make-up, les essayages, les répétitions sur le podium. Le contact que j'ai avec les gens. Le plus dur pour moi, personnellement, les passages répétitifs. Le fait de sortir, enlever une tenue, encore mettre une autre tenue. Businesswoman. C'est Mam Diara Cham, alias Lisa. Pour moi, c'est une icône. Je me vois en elle dans quelques années. L'afrobeat. Tchirimbou. Vu que je suis serrée, c'est normal. Bon, pour moi, je sens que ça prend une certaine ampleur. Il y a des gens qui parviennent maintenant à comprendre le milieu mannequinat. Souvent, je vois des écoles de mode ou bien des agences qu'on ouvre pour initier des jeunes mannequins et tout. Donc, pour moi, je crois que l'Afrique parvient de nos jours à comprendre petit à petit c'est quoi réellement le milieu mannequinat. Les gens sont dans les préjugés. Au lieu d'aller directement demander ou bien faire des recherches pour savoir c'est quoi exactement le milieu du mannequinat, ils préfèrent porter des paroles qui sont même pas vraies par rapport à ce que nous, les mannequins, vivons ou bien exactement de quoi parle le milieu mannequinat. Ben, élargir le milieu du mannequinat, faire ressortir ma culture, essayer d'aider les mannequins qui viennent d'venir, les initier, leur faire savoir exactement c'est quoi le milieu du mannequinat, investir dans le milieu du mannequinat, faire savoir ma culture dans le monde entier. Inch'Allah. Bah, je dirais que premièrement, avoir confiance en soi, c'est important. Faire beaucoup de recherches pour savoir c'est quoi exactement le milieu du mannequinat. Beaucoup de créativité. Voilà, en quelque sorte. Juste, je tenais à remercier tante Ella, à ma mère, à ma copine Fatima, parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Pour ça, souvent,
Ils m'ont donné confiance jusqu'à présent, ils me donnent confiance pour continuer. Et voilà quoi. Quand je peux avoir les larmes aux yeux et voilà. Voilà, big up à tonton est là.